Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Psaume 115. Je commence à partir du 12e verset. L'Éternel se souvient de nous. Il se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Si c'est votre Bible, soulignez multiplication. Vous multipliera. De même, dans Genèse 28, vous soulignez multiplier. Deutéronome 8, je commence à partir du 12e verset. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier, soulignez cela, tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Acclamons la parole du Seigneur. Nous avons proclamé, nous proclamons ce mois comme étant le mois de la multiplication. Quelqu'un peut dire multiplication. Multiplication. Nous voyons dans Genèse, Dieu dit, après avoir créé l'homme, il est béni et Dieu dit. Il leur dit, soyez féconds. Multipliez. Vous savez, dans en mathématiques, il y a quatre opérations, multiplication, addition, soustraction et division. Dans mathématiques, il y a l'opération dont nous avons besoin ce mois, il n'y a pas de c'est la multiplication. Et c'est dans la pensée de Dieu de multiplier. L'homme créé avait la responsabilité. Il était comme une semence que Dieu a mis sur la terre pour produire d'autres hommes. Et il donne à cette semence la capacité de se multiplier. Quand vous lisez Genèse, vous verrez que la famille d'Adam s'est accrue. Mais à un moment donné, vous ne comprenez pas comment la population s'est multipliée avec tous ces gens qui s'étaient manifestés. Et nous voulons que le Seigneur le fasse là, ce mois, dans notre vie. Amen. Il dit, alobi, soyez féconds, multipliez. Mais la multiplication parle d'une croissance qui peut ne pas être contrôlée par la personne. Regarde, pour que Dieu ait beaucoup d'enfants,
tel que nous sommes maintenant enfants de Dieu, il n'a pas choisi la mathématique, il a, et plutôt l'addition, il a choisi la multiplication. Christ est mort comme semence que Dieu a plantée pour le salut de l'homme. Christ a coupé le col en moto. Mais à sa résurrection, après la Pentecôte, il y a eu une multiplication des âmes. La parole nous dit à la prédication de Pierre, il y a eu 3000 âmes qui se sont converties du coup. Nous voulons que cette Pentecôte au mois de juin soit pour nous une Pentecôte de la multiplication. Amen. Tulingi kitela oyo ya sanza ya motoba ezala pona biso ya koyikitisa. La multiplication, quand nous prenons 10 plus 1, ça nous donne combien? 11. 10 fois 1, ça fait combien? 10. On va 10 plus 2, ça fait combien? 12. Et 10 fois 2? 20. 10 fois 4. 10 plus 4. 44. Vous voyez déjà la différence. Il y a donc la multiplication, c'est une croissance exponentielle. J'aimerais que ce mois, Dieu mette 10 au carré, 10 euros, quelque chose. Lorsque on fait 10 plus 10, j'ai 20. Mais lorsque on fait 10 fois 10, j'ai 100. La multiplication est synonyme aussi à la vitesse. Lorsque ce mois de juin, Dieu t'accorde encore une vitesse dans tout ce que tu as accompli. Il dit, l'Éternel se souvient de nous. Le mois c'est de mai, c'était le mois de la faveur. La multiplication est aussi synonyme de la faveur. Donc, nous ne sommes pas encore sortis sous la faveur. Regardez, une femme comme qui peut avoir des triplés, des quatriplés, c'est une faveur. Parce que la norme, hein, c'est une semence, un enfant. Mais Dieu accorde la faveur à d'autres qui en ont 4, qui en ont 12, en une seule semence. Bien aimé, dit que ma semence va se multiplier. Ce que j'ai semé et que je semerai encore ce mois. Je n'attends pas l'addition, mais j'entends la multiplication. Qu'il te soit fait selon ta foi. Il se souvient de nous. Laisse que Dieu se souvienne aussi de toi. Qu'il se souvienne de tes sacrifices, de tes efforts. Que en ce mois, que Dieu t'accorde d'abondantes grâces. Il dit, il bénira la maison d'Israël. C'est une bénédiction générale pour Israël. Mais il vient jusqu'encore au particulier. Il bénira la maison d'Aaron. Aaron était sacrificateur, le souverain sacrificateur. Toute sa lignée est restée sacrificateur à vie. Mais nous ne sommes pas sacrificateurs selon la sacrificature d'Aaron. Nous le sommes selon la sacrificature en Christ de Melchisedec. Donc comme nous sommes liés à la bénédiction d'Abraham par Jésus Christ et la bénédiction d'Aaron et la bénédiction de Christ,
Christ. Par Melchisédek comme souverain sacrificateur. Cette bénédiction demeure sous nos maisons. C'est pourquoi je déclare sur ta vie que tu sois doublement béni au nom du Seigneur Jésus. À cause de ton service et de ton attachement à Dieu. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. C'est moi n'attends pas une faveur. Mais attends une abondance de faveurs. Il vous multipliera ses faveurs. Oh, je ne vois pas quelqu'un qui t'empêcherait de vivre la faveur de Dieu. Lorsque David disait ces choses, il ne savait pas à quel degré ça va s'accomplir. Mais Moïse dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu bâtiras et habiteras de belles maisons. J'aime cette deuxième phrase, il dit, lorsque tu verras, c'est multiplié. Ce n'est plus une demande, mais c'est une réalité. Lorsque tu verras, c'est multiplié. Ton gros et ton menu bétail. Ce qui veut dire ton travail, oh, ton commerce, tes entreprises, tes projets. Lorsque tu verras, c'est multiplié. Et encore s'augmenter ton argent et ton or. Bien aimé, je voulais déclarer que le niveau que tu as, ce n'est pas encore suffisant. Regarde l'amen que toi tu me donnes. C'est Dieu qui dit à Moïse, lorsque tu verras, c'est multiplié. Pépinière, lorsque tu verras, laisse que ce mois soit le mois de la vision de la multiplication. Que tu n'entendes pas seulement ces choses, mais que tu le vois, que tu le palpes, que tu le témoignes. La multiplication soit ton apanage en ce temps. Nous voulons arrêter toute division. Nous voulons refuser toute frustration. Nous n'attendons que la multiplication. Bien aimé, déclare, je dois voir la multiplication. Il dit de ton gros bétail, de ton nom et de ton argent. La multiplication aussi de t'accroître tout ce qui est à toi. La croissance est mesurée plus par rapport à la multiplication. Bien aimé, tu vas t'accroître. Ce second semestre s'appelle pour toi croissance exponentielle. Ah. Tu dois te multiplier. Nous sommes là ce matin pour dire une chose à Dieu. Je veux vivre la multiplication. C'est pourquoi il dit à Abraham, sors, regarde au-dessus. Si tu peux compter. Et il y a dit, ta descendance sera comme le sable de la mer. On peut prendre 10 exposants, 1 million, c'est combien? Pardon. Ébélé. Donc au final, ce que Dieu veut, c'est l'abondance dans ta vie. Ne dis pas que j'ai déjà. Non, Dieu dit que je donnerai en abondance. L'abondance de Dieu, puis tu peux arriver à un moment, tu ne sais même plus compter. Yes. Tu ne sais même plus calculer. Amen. Parce que Dieu t'a mis dans l'abondance. Amen. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. J'ordonne à tous les chagrins qui pouvaient suivre ta bénédiction ce matin. D'aller loin de ta vie, loin de ta bénédiction. Mais que tu sois enrichi. Et que l'abondance soit liée à cette bénédiction. Pour terminer, nous lisons Ézéchiel 44 plutôt. Pour que nous n'oublions pas ce que nous faisons ce matin.
C'est pour faire asseoir la bénédiction dans notre maison. La multiplication est là, mais ça doit rester en permanence. Ézéchiel 44, verset 30, il dit, les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Amen. Que cela soit déclaré comme ainsi. Lorsqu'on parle de prémices, c'est une offrande de meilleurs produits. Offrande de meilleures choses que Dieu peut nous donner. Dis à ton voisin, Dieu a toujours la meilleure part. Dieu a toujours la meilleure part. Et Dieu réclame toujours la meilleure part. Et Dieu réclame toujours la meilleure part. Il a réclamé à Abraham. La meilleure part. C'était Isaac. Et Dieu a fait que Abraham en sémant Isaac, quoi qu'il n'est pas mort, mais il a eu une substitution. Abraham soit père de plusieurs, donc de milliers et des milliers de gens. Abraham au papa ya bana. Lui-même, il n'a pas semé n'importe qui. Il a semé son propre fils. La parole dit, il est le prémices pour tous ceux qui seront ressuscités. Quand Dieu réclame la meilleure part, c'est parce que lui aussi a l'intention de te donner la meilleure bénédiction. Tu m'as pas dit un amen convaincant. Attends-toi aux meilleures choses. Aux meilleurs produits du ciel. Aux meilleurs produits de la terre. Aux meilleurs produits de tes activités. Dans n'importe quel secteur. À la bonne santé. Il ne faut pas exclure ça dans votre prémisse. Dieu vous accordera la bonne santé. Et qu'en ce mois de juin, ceux qui n'étaient pas stables dans ta famille, stables dans ton travail, comme tu apportes ta semence, ta prémisse ce matin, que la bénédiction se repose dans ta maison, que la bénédiction se repose dans ton travail, que la bénédiction se repose dans ta santé, que la bénédiction se repose dans ta famille, au nom de Jésus. Nous avons nos yeux fermés, nous prions le Seigneur. Nous allons conclure cette alliance du mois avec ce service de la scène. Commence à dire à Dieu, je veux ce mois vivre la multiplication. Si nous pouvons nous mettre debout pour 2 minutes pour prier. Lorsqu'il y a la division, c'est qu'il n'y a pas la faveur. C'est comme ça que Roboam a vu le royaume être divisé sous son règne. Lorsqu'il y a la soustraction, c'est qu'il n'y a pas la faveur. Tu vas lever ta main et dire, je refuse la division, je refuse la soustraction dans tous les secteurs de ma vie. Commence à prier par rapport à ça. Tout ce qui peut amener la division de tes faveurs, la division de ta richesse, la division des choses que Dieu met entre tes mains, la soustraction dans toute forme que ça soit, soit anéanti dans le nom de Jésus. Nous refusons ces opérations. Nous refusons toute division, parce que nous sommes sous la faveur.
La faveur n'appelle pas la division. La faveur n'appelle pas la soustraction. Tout celui qui vient soustraire soit frappé dans le nom de Jésus. Tout celui qui amène la division soit frappé dans le nom de Jésus. Tu dois avoir ta part entière et multipliée. Commence à réclamer la multiplication. Proclame la multiplication dans ta maison. Proclame la multiplication dans ta famille. Proclame la multiplication dans tout ce que tu entreprends. Oh, proclame ce mois étant le mois de la multiplication. Que les gens ne comprennent pas ton ascension. Qu'ils ne comprennent pas ta réussite. Oh, tu vas tellement vite que personne ne peut te saisir. Commence à proclamer cela. La multiplication amène la vitesse. Commence à proclamer la vitesse. La multiplication. La multiplication apporte la récupération. Commence à récupérer maintenant. Commence à récupérer les choses dans lesquelles tu es en retard. Les premiers joueurs, sans basalico permettre, ma faveur avant moi, récupère, allez, récupère. Ceux qui sentaient qui m'a dit en mois de mai, récupérez mon mois de juin. La liberté, d'ailleurs, récupérez au nom de Jésus. Nous avons proclamé au nom de Jésus. Nous pouvons reprendre nos places. Seigneur, par cette scène, nous voulons faire asseoir cette alliance de la faveur multipliée. Parce que par ta mort, tu as été semé pour la multiplication. Et aujourd'hui, tu as un grand nombre de frères et de sœurs. Laisse que ces principes soient des mises dans la vie de tout un chacun ce matin. Dans tous les secteurs de nos vies. En ce mois de juin. Et les mois qui suivront. La multiplication soit vécue. Tu dis lorsque tu verras se multiplier ton gros et ton menu bétail. Je prie ce matin que tout celui qui est venu dans ce culte de prémices qui ne s'arrête pas seulement à entendre se multiplier mais qui voit la multiplication à l'œuvre dans ta vie. Les gens voient et témoignent que tu es avec lui. C'est le domaine des espoirs et nous voulons que cela soit de mise en ce mois. Nous bénissons cette table. Tout le pain qui symbolise le corps de Jésus. Le sang, le
du qui symbolise le sang de Jésus. Mai oyo ezali kotali sa makila na Yesu. Quiconque mangerait boira de cela. Moto nyo sa kolia pe akomela yango. La multiplication soit opérationnelle. Kofuli ki sama emoni sama kala. Que sa santé soit rétablie. Zoto na Yesu akolonga. Que le blocage tombe. Makokanga minyo se kwe. Et tout ce qui est contraire à l'augmentation, à la multiplication, à la croissance cesse au nom de Jésus. Se oyo nyo ezali kokesena na oyo ekomatisa ko fulu ki sa e kwe akomona. Nous libérons par là le principe de la multiplication. Comme tu as dit, multipliez, soyez faits comme multipliez, remplissez-les. Que cela s'accomplisse dans la vie de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus.